Les premiers rayons chaleureux du printemps annoncent le réveil des reptiles. Alors que certains se prélassent paisiblement, d'autres sortent de leur cachette à la découverte de nouveaux horizons. Malgré le calme apparent de ces créatures, certains d'entre eux font pourtant l'objet d'une crainte irrationnelle. Effectivement, les serpents, ce sont des animaux qui sont mal aimés dans le monde occidental. Alors déjà, je tiens à dire que ce n'est pas vrai partout. Il y a certains pays d'Asie où les gens cohabitent avec des serpents, y compris venimeux, très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont peur des serpents et on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou c'est culturel. Il semblerait que ce soit essentiellement culturel. Alors c'est difficile à démontrer, mais nous sommes dans un programme de recherche où nous travaillons sur ces questions-là et on a de plus en plus d'évidence qui montre que c'est vraiment culturel. Par exemple, pour l'illustrer, si on emmène des gamins, des petits de 6-8 ans sur le terrain, donc certains ont peur des serpents, d'autres non. Très vite, il faut faire attention. Parce qu'ils les aiment, ils ont envie de faire des bisous aux serpents, y compris aux vipères. Donc si c'était si profondément ancré, on n'obtiendrait pas un résultat aussi rapide. On ne leur demande pas d'aimer les serpents, juste on les amène, on fait comme nous avons fait aujourd'hui, on les attrape, on les marque, on les mesure, on les repose. Ben, les enfants, ils les touchent et ils réalisent que ce qu'on leur racontait, c'est que c'est pas froid, c'est pas méchant, c'est pas gluant, c'est plutôt doux, c'est plutôt chaud. Puis comme on leur dit, ben, ça c'est une femelle qui a des petits, ben, tout de suite ça crée un peu d'empathie, puis voilà, ils les aiment. Nous ne sommes pas obligés de faire ce travail de pédagogie, même si on sait que ce sont des gouttes d'eau, ça fait plaisir de voir quand ça marche. J'ai une anecdote qui est marrante. J'avais un groupe comme ça de gamins, avec des tout petits, on va sur le terrain, puis on avait attrapé des beaux serpents. Bon, les gamins rentrent chez eux après la sortie scolaire, tout s'est bien passé. Quelques temps plus tard, je reçois un coup de fil, et avec une petite voix au téléphone. « Allô, monsieur Bonnet ?» J'ai dit « Oui, oui, je ne me souvenais pas. » Il me dit « Oui, c'est moi, je ne me souviens plus du prénom. Hein. » Il me dit « C'est moi. » Il me dit « J'ai sauvé un serpent. » Je dis « Ah bon ?» Et mes parents voulaient la tuer, mon grand-père aussi. Et je me suis mis au milieu. Ils n'ont pas pu la tuer, j'ai été puni. Il dit « Mais je l'ai sauvé. » Et il était fou de joie. Je dis « Ah ben voilà, on bosse pas pour rien, quoi. » De par leur dépendance aux conditions ambiantes, telles que la température et l'ensoleillement, les serpents se retrouvent bien souvent à cohabiter avec notre espèce. La couleuvre verte et jaune est l'un des plus grands reptiles de nos contrées. Elle fréquente, ordinairement, nombre d'habitats dotés de multiples cachettes. De simples ruines lui confèrent un abri sûr, lorsque celle-ci a besoin de s'éclipser à travers les hautes herbes. Ce chemin lui permet de s'exposer au soleil. Dans différentes iconographies religieuses, le serpent symbolise la tentation, le péché, ainsi que l'avènement de la mort. Pourtant, les différentes espèces vivant en France ne représentent qu'un faible danger. Seule la vipère
et venimeuses. Malgré quelques rares cas de morsures mortelles, la vipère aspic est le sujet d'une grande méfiance de notre part. En plus de cette crainte excessive et incontrôlable, les différentes légendes qui gravitent autour des serpents provoquent l'une des phobies les plus courantes dans le monde, l'ophiophobie. Cette dernière cause parfois la mort de nombreux serpents, venimeux ou non. Néanmoins, c'est la modernisation de notre agriculture qui est finalement l'une des sources principales de l'effondrement de leur population. On adore aller attraper les serpents, vous l'avez vu, donc c'est vrai que c'est un programme scientifique, mais on se fait plaisir. Et vous l'avez peut-être observé, lorsqu'on va à la chasse, c'est un petit peu comme les œufs de Pâques, on est content, on découvre des serpents. Mais ça va plus loin que ça, parce que ce sont des animaux qui sont tellement jolis et qui sont doux, et puis le contact avec eux, cette fluidité, tous ceux qui en ont manipulé et qui n'en ont pas peur, évidemment, apprécient ce contact. Et donc c'est vrai que ça génère un peu d'émotion, ça fait partie de choses qu'on trouve très très belles dans la nature, quoi. Et puis ça va même plus loin, parce qu'il y a un côté intellectuel, quand on recapture de temps en temps un serpent, mettons qu'on a marqué bébé il y a 10 ans, on le recapture devenu un bel adulte. Alors ça paraît un peu simpliste, mais n'empêche, on est très content, ça fait plaisir de voir cet individu recruté dans la population. Il y a aussi une émotion donc plus intellectuelle, hein, au-delà du toucher. Alors on peut se demander pourquoi protéger les serpents. Le message que j'aime pas véhiculer, c'est parce qu'ils sont utiles et ils mangent les rongeurs. Pourquoi j'aime pas ce message? Parce que si on se met à protéger ce qui nous sert et on détruit ce qui ne nous sert pas, on va au mur. Donc la raison pour laquelle il faut protéger ces animaux comme d'autres animaux, c'est tout simplement parce qu'ils sont là. Et que pourquoi les détruire? C'est ça la vraie question, quoi. Et donc comme il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, il faut bien s'engager dans la protection, quoi. Mais j'aime pas livrer le message de grâce aux serpents, les écosystèmes vont mieux tourner. C'est pas vrai, la nature s'en remettra toujours, mais c'est la beauté de la nature qui va être dégradée. C'est ce qu'on appelle le patrimoine, mais je pense qu'il y a vraiment une dimension esthétique. Pour moi, ce serait aussi bête que de brûler des partitions de bac, quoi. Faut pas le faire. Je préfère qu'elles existent et les écouter, je préfère qu'il y ait des serpents dans la nature et les voir. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce point de vue, de la richesse et de l'abondance. Voilà.